Il y revient sur les nuées. Répète. Il y revient sur les nuées. Pensez au plus beau jour de ta vie, au meilleur endroit où t'es jamais trouvé, au plus merveilleux cadeau que t'aies jamais reçu. Le ciel t'offre tout ça et mieux encore. Maman et Emma étaient assis au salon sur le canapé. Parlez-moi encore de Jésus, maman. Je veux tout savoir à son sujet. Parlez-moi de son retour. Jésus reviendra nous chercher et nous amènera avec lui au ciel. Est-ce que je verrai les anges? Demanda Emma. Oui, tu les verras. Lorsque Jésus reviendra, nous aurons des yeux, nous permettant de voir les anges. Tu verras plein d'anges dans le ciel. Et tu verras aussi ton ange gardien qui t'a aimé et a éveillé sur toi dès ta naissance. Emma et l'air passif. Je me demande quel est le nom de mon ange. C'est peut-être Fred. Sa maman s'est mise à rire. Et que je verrai encore au ciel. Demanda Emma. Tu verras Adam, Ève, Noé, Daniel, Esther, Marie, ainsi que tous les amis de Dieu que tu as connus grâce aux histoires bibliques que je t'ai racontées, expliqua maman. Et quoi encore? Tu verras de tes yeux la nouvelle Jérusalem. C'est dans cette cité que nous vivrons. C'est plus bon que tout ce que nous avons jamais vu. Les rues sera pavé d'or. Oh! Sophie autour des mains de sourire. Des rues d'or? C'est plutôt impressionnant. Et quoi encore? Répéta-t-elle. Des tas d'animaux. Toutes les différentes espèces d'animaux que Dieu a créées. De plus petits insectes aux plus gros lions et ours polaires. Et aucun d'eux ne te fera de mal. Ça, c'est chouette. Mais qui aura-t-il encore à voir au ciel? Ma chérie, tu verras quelqu'un de merveilleux. Jésus est Dieu. Tu les écouteras et te raconter des histoires. Tu pourras tenir la main de Jésus tout en promenant avec lui. Vous ferez peut-être même un pique-nique ensemble. Et nous pouvons manger de mangue! S'exclama Emma toute heureuse. Emma glissa finalement les genoux de sa maman. Elle courut à la fenêtre et regardait dehors. Pas de nuages aujourd'hui! Murmura-t-elle tristement. Ne te décourage pas, Emma, dit sa maman. Continue à regarder le ciel tous les jours. Il viendra, il a promis. Merci d'écouter mon histoire. À la prochaine. Bye.